Merci beaucoup. Il faut déjà commencer par dire que c'est une première en Guinée depuis plusieurs années. Et c'est un sentiment de fierté parce que ça permet de comprendre que la transition est sur la bonne voie. Nous, les membres du gouvernement et nos équipes respectives, on se soumet à cet exercice de redevabilité du travail qui a été fait et qui doit être fait, voir les forces et les faiblesses des travaux qui se font au niveau des départements ministériels, principalement au niveau du secrétariat général du gouvernement. Et puis, c'est un sentiment, c'est la redevabilité du gouvernant envers les gouvernés. Et c'est un exercice qu'il faut encourager et saluer dans le cadre du travail des administrateurs que nous sommes, mais aussi dans le cadre de la bonne gouvernance. C'est la redevabilité, c'est que le citoyen guinéen se rende effectivement compte du travail que nous effectuons tous les jours au sein des départements, mais aussi sur le terrain. Oui, il s'agit naturellement des activités au sein du secrétariat général du gouvernement, avec différents objectifs, des objectifs généraux, des objectifs de réforme et des objectifs spécifiques quant au travail que nous faisons en général. Lorsqu'on parle du secrétariat général du gouvernement, c'est conformément à l'ensemble de ces attributions qui doivent faire l'objet d'évaluation. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui et nous sortons de cette séance tout à fait satisfaits. Merci.